La RCEM vous présente sa nouvelle micro-série Tuto. Bienvenue sur cette série de tutos qui a pour seule vocation de vous aider à économiser l'eau et l'électricité. Dans ces clips, vous verrez des situations où nos vieilles habitudes doivent être remises en question afin d'effectuer les bons gestes et ainsi réaliser de vraies économies. Alors là, effectivement, la vaisselle est propre. Mais elle l'aurait été tout autant en évitant de laisser l'eau s'écouler pendant toute la durée du lavage. On aurait pu économiser l'eau, d'une part, mais aussi le liquide vaisselle, sans parler de l'énergie thermique, car la vaisselle, en général, se fait avec de l'eau chaude. Voici les bons gestes à accomplir pour faire des économies tout en respectant l'efficacité du lavage. Voilà qui est mieux. Vous l'aurez compris, l'eau est précieuse. C'est dans nos petits gestes de tous les jours qu'il faut s'appliquer à ne pas la gâcher. Dans la cuisine, pour la vaisselle, mais aussi dans la salle de bain, plusieurs fois par jour. Ouais, j'arrive là, c'est fini. Cette fois encore, les dents de cette jeune femme sont bien lavées, mais elle l'aurait été tout autant sans laisser couler le robinet tout au long du brossage, surtout avec un tel débit. Rappelez-vous que tout ce qui vit sur cette terre dépend de cette eau. Économisez-la, elle est précieuse. Il existe des petits accessoires permettant de limiter le débit de votre robinet ou de votre douche. Certaines villes mettent à disposition gratuitement ces mousseurs afin de vous aider à limiter votre consommation d'eau. Vous pouvez aussi trouver ces accessoires en grande surface dans le rayon bricolage. Ils s'appliquent facilement, sans installation particulière, et peuvent vous faire économiser jusqu'à 70% de votre facture habituelle. C'est en réduisant nos consommations par ces quelques gestes individuels que nous aiderons à préserver les ressources de notre planète.